Faites l'exercice avec moi. T'arrives de la job, tu te fais à manger, tu ouvres la TV, une petite heure ou deux, bien campé dans ta couverte. Tu scrolles Internet à chaque 15 minutes pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à suivre, histoire de te donner un bon mood. Prends un petit snack, tu te brosses les dents. Tu regardes ton sel encore, une couple de minutes, tu vas te coucher. Le lendemain, tu retournes au travail. Puis ça recommence. Alors que pour certains, on pourrait appeler ça la routine, il y a une question qui te revient toujours en tête. Est-ce qu'au final, c'est juste ça la vie? Ou encore mieux, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? J'ai l'impression que plus qu'on avance à l'ère des réseaux sociaux, plus qu'on s'échappe de la réalité, plus on s'éloigne de la vie elle-même. Au lieu de vivre quelque chose, on se contente trop souvent à juste la regarder, à voir d'autres personnes les vivre. On le fait pas dans l'immédiat parce qu'on se dit que trop souvent, le bonheur peut attendre, que le bonheur va finir par arriver un jour. C'est comme s'il existait réellement des moments pour être heureux. On reporte trop souvent cette émotion-là, cet esprit-là, à plus tard dans le temps. On se dit des trucs qui ont juste absolument aucun sens, comme « Ah, lorsque j'aurai le temps de réaliser telle affaire, ben là, je serai vraiment heureux. » Ou « Lorsque j'aurai achieve ce moment-là, là, je serai vraiment heureux. » »« Lorsque je pourrai avoir tant d'argent, là, je vais pouvoir faire ce que je veux. » Hey, je veux ça être bien, mais que je sois à la retraite, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie. Ça peut faire du bien, ça peut réconforter un moment. Mais la réalité, c'est qu'on se ment à soi-même. Ce que j'ai expérimenté dans ces dernières années, entre autres, c'est que le bonheur, en fait, plus j'avance, plus que je crois que c'est un choix. Puis qu'il existe encore absolument rien de défini de nos jours qui pourrait nous dire, hors de tout doute, à quel point posséder une telle chose ou faire une telle action pourrait nous rendre heureux, d'avoir le bonheur assuré. À partir d'un certain point, même l'argent rend pas heureux. En fait, même l'argent apporte trop souvent un bonheur éphémère. Si l'argent était réellement la solution du bonheur, les riches chercheraient pas à en avoir encore plus. Le problème, en fait, avec le bonheur, c'est qu'il se situe dans la perception qu'on en fait face à certaines actions, ou encore à des choix qu'on fait. Autrement dit, je pense qu'on a tendance à mal mesurer le bonheur qu'on peut ressentir face à une action ou face à un choix qu'on va faire. Par exemple, c'est-tu pas assez génial manger du fast-food? C'est un plat réconfortant qui t'apporte du bonheur rapide, éphémère, mais qui fait tellement du bien sur le moment présent. On veut pas penser à plus tard. Mais le problème avec le fast-food, vous le savez, c'est que c'est juste pas bon pour ton corps, man. C'est que tu vas juste développer des mauvaises habitudes de vie à manger du fast-food seulement. Mais ton cerveau, il est pas conditionné à réfléchir de cette façon-là. Ton cerveau va te dire que le fast-food, il va te faire du bien, il va te réconforter, il va te rendre dans un bien meilleur mood sur le moment présent. Mais en contrepartie, il va t'empoisonner la vie, il va te la réduire à petit feu, puis il va t'amener même dans une situation qui est encore pire que celle dans laquelle tu l'as consommé au départ. Tu consommes du fast-food pour un bonheur immédiat, mais parce que t'en as besoin, puis tu vas en avoir encore plus besoin plus tard. C'est une roue qui tourne. Le downside effect est encore plus important que l'upside. Mais tu le fais pareil. Encore et encore. Pour le petit moment de réconfort. Tu fais le choix d'être malheureux à chaque fois. Puis là, je parle de la bouffe, mais ça peut être tout autre problème. Ça peut être n'importe quoi. Même les riches ont leurs problèmes. Même les mieux nantis vont jusqu'à s'enlever la vie dans des moments de détresse. Parce que comme je disais précédemment, le problème fondamental avec le bonheur et avec l'idée que le bonheur va venir plus tard, c'est qu'on a tendance à mal évaluer, à mal imaginer la réaction émotionnelle qu'on va avoir face à une action ou face au bonheur, en fait. Notre perspective émotionnelle, elle est injuste. On a souvent tendance à surévaluer les bons côtés et à diminuer les impacts négatifs. La triste réalité à travers le bonheur puis à travers la vie, c'est celle que vous connaissez déjà, c'est que la vie va jamais toujours comme tu souhaites. Il va toujours y avoir des problèmes. C'est important de toujours se ramener au moment présent, de ne pas faire attendre son bonheur sur le bord de la porte quand tu la traverses chaque matin. Arrête de penser que le bonheur va arriver dès que tu vas avoir achieve telle affaire ou que tu vas atteindre telle chose. Il faut que tu fasses ce choix-là à chaque matin, à chaque crise de jour qui passe. Le choix d'être heureux. Le choix d'être heureux avec toi-même. Le choix d'être heureux avec ce que tu es. Une des choses que j'ai fait, moi, personnellement, pour m'aider, ça a été de réduire ma consommation de réseaux sociaux. Vous m'avez pas mal moins vu cette année sur cette chaîne YouTube. Vous m'avez pas vraiment vu sur
Ceux-là qui me suivent, entre autres, sur Facebook ou encore Instagram, vont le savoir, j'ai été très, très peu actif cette année. Les réseaux sociaux, ils me font souvent sentir comme si j'étais en retard dans la vie. Parce qu'on se fait tellement bombarder de tellement de propagande, de tellement de choses à gauche, à droite, que c'est tellement facile de consommer ça tous les jours, massivement, puis de te faire sentir comme une calisse de marde. Je finis par avoir tendance à me comparer avec les autres, avec la vie des autres gens, même si je suis pas dans la même situation que eux, même si on n'est pas démarré au même endroit. Ça m'a aussi pris du temps avant de réaliser ça, mais tu sais, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, là, c'est les highlights. C'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments d'une vie d'une personne. C'est toujours le meilleur d'une personne. Le meilleur d'un moment, d'un voyage, de... C'est vraiment... C'est des highlights. C'est parce que tu vois le highlight d'une telle, over and over again, puis t'as l'air de penser que toi, il se passe jamais rien. C'est pas parce que cette personne-là show-off des photos de son mariage ou encore qui montre à quel point qu'il est riche que nécessairement sa vie va calissement mieux que la tienne. C'est bien ça qui est le pire. Ce que tu vois sur Internet, c'est trop souvent les meilleurs moments d'une vie. Et là-dedans, je rentre même pas le facteur fake, parce qu'il y en a en crise aussi. Là. Ou les autres, ou bien des influenceurs que je n'aimerais pas, qui passent leur temps à show-off, à quel point que on manque quelque chose, ou à quel point c'est tellement hot ce qu'il est en train de vivre, puis il faut absolument que tout le monde voit qu'il y a du fun, tu sais, puis qu'ils sont bien, puis t'es tellement en train de manquer quelque chose. Alors que ces personnes-là ont juste tellement un grand vide à combler en dedans d'eux, qu'ils espèrent que tu t'intéresses à leur shit pour qu'ils se sentent moins misérables. Vive le moment présent, puis le vivre pour soi, ça aide aussi. Finalement, le dernier petit truc que j'aurais à vous donner pour ceux-là qui se sentent en retard dans la vie, c'est de vous donner juste des petits objectifs. Simples à atteindre, puis par étapes, qui vont vous faire sentir mieux. Apprendre des nouvelles choses, surtout des saines habitudes de vie, c'est le genre de choses qui aident énormément à la santé mentale. Ça va faire toute la différence dans la perception du bonheur. Vous pourriez commencer par exemple à faire un bullet journal, histoire de mettre un peu d'ordre dans votre vie. Ou simplement faire le ménage de votre chambre. Personne n'a les idées claires dans un environnement sale ou un environnement désordonné. Commencez la lecture comme passe-temps ou plein d'autres nouveaux hobbies que vous aimeriez essayer. Il paraît qu'avoir lu 5 livres au minimum vous rend déjà plus intelligent que la moitié des gens sur la Terre. Fait que c'est déjà un bon début. Tu pourrais peut-être même démarrer ta propre chaîne YouTube puis partager aux gens ce qui t'allume, ce qui te fait vivre. C'était mon cadeau de Noël à l'avance cette année, guys. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Puis je suis vraiment sincère dans ce que je vais vous dire présentement, guys, mais je vous souhaite vraiment tous et chacun de choisir le bonheur à chaque jour. La santé mentale a tellement été négligée dans ces dernières années. Il y a tellement de gens qui souffrent encore. Si cette vidéo-là vous aura permis au moins de décrocher un sourire ou vous aurez fait passer du bon moment, bah, ça sera déjà ça. Puis ça va surtout me rendre bien heureux, moi aussi, à mon tour. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je t'aime. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Peace out, guys.